Petit résumé de la dernière fois. Tout commence dans un vol de nuit en provenance de Bangkok. Humber, Simon et Wendy profitent des charmes de ce vol quand tout à coup, l'avion va se cracher en pleine mer. Des cris, du sang, une nuit en perdition qui va voir nos trois personnages s'échouer sur une plage accompagnés d'un enfant sauvé de l'avion. Là, des choses étranges vont se passer. Très vite, ils voient un bateau qui semble venir aider l'avion en perdition. Ils vont tendre les sirènes de ce bateau. Mais après avoir longuement tergiversé et vu peut-être une lumière, non loin de là, dans les hauteurs de ce qui semble être une île, ou la côte, peut-être, de cette île, ils vont décider en pleine nuit, accompagnés d'une simple torche, de fortune, à rentrer dans la jungle, accompagnés de cet enfant qui fait étrangement penser à Wendy, à la jeune taille qu'elle a rencontrée quelques jours avant à Bangkok. Une courte nuit va se passer avant qu'au petit matin, dans ce réveil dans une jungle profonde, quelque chose, un bâtiment métallique, mais euh, abandonné depuis longtemps. Il y a peut-être encore une lumière si euh, une faible lumière. C'est euh, tout de suite, euh, ça vous fait penser à, à un film des années 50, dans lequel on aurait fait la science-fiction. Une technologie qui n'existerait pas aujourd'hui, mais telle que euh, vos parents ou grands-parents auraient pu euh, imaginer il euh, y a bien longtemps. C'est improbable de trouver ça ici. C'est quand même bizarre. Peut-être qu'ils ont Qu tourné un film ici et que, que c'est des restes de du tournage. Mmh. Est-ce que... Euh, est que ça a l'air de, de s'être craché il y a longtemps ou tu t'avances, tu posé là Tu t'avances, tu te rends compte que c'est posé, ça a été construit en fait. Ça a été construit là avec des planches de bois mais aussi du métal. Et donc euh, non, c'est quelque chose qui a été neuf à un moment donné. Et c'est pas craché, c'est pas un avion même si ah, t'as l'impression que c'est une espèce de, de caravane, je vais utiliser ce terme-là, comme une caravane, mais futuriste. Mais futuriste pour des gens des années 50. Et, et la caravane a été posée là sur des, euh, des plots en bois avec un petit escalier qui permet de rentrer dedans. Et alors que tu t'approches, tu vois qu'il euh, y a des instruments scientifiques à l'intérieur, mais tout est abandonné. Hein. Ça fait bien longtemps que, euh, que la jungle a pris euh, possession de cet endroit. Ouais, mais as l'impression qu'il y a des... du matériel scientifique, c'est ça Il y a quelqu'un On, on devrait peut-être rentrer, voir s'il y a des choses à récupérer, non Quand tu dis ça, je, je vais rentrer avec, euh, avec le gamin toujours à, à ma main. Et, et juste quelques marchands que tu rentres. Attends, tu, tu sais pas si. Et ça t'empêchera pas de rentrer. Trop tard. <laughs> Trop tard, tu rentres. Tu rentres. Um, Wendy, sûre de toi, l'enfant à la main, alors que Simon, tu dis ça, tu as l'impression quand même, Simon, tu vois, ouais, tu, tu c'est bizarre, il y a les traces d'un combat, il y a un fusil cassé dans un coin, pas très loin, et un espèce de couteau en, en pierre qui pouvait être accroché à un, c'est pas un couteau, c'est une ancienne hache en pierre. Il y a eu un combat il y a très longtemps ici, le fusil est rouillé. Wendy, tu es rentrée. Amber, tu dis-moi où, où tu je suis. Je suis rentrée aussi, puisque c'est moi qui ai suggéré de rentrer. Okay. Donc euh, dès que j'ai vu qu Wendy était dedans, je l'ai suivi Amber et Wendy, vous êtes rentrés avec mmh. l'enfant. Et Wendy, tu vois, t'as l'impression d'être dans, effectivement, dans un vaisseau spatial. Mais tel que dans... Ouais, dans au milieu du XXe siècle. Et puis des instruments, mmh. mais rouillés. Tu vois. Tu vois si euh, quelque chose qui pourrait ressembler à un audio, un appareil audio, enregistreur, lecteur, avec des grandes bandes magnétiques, et puis tu vois d'autres instruments, des éprouvettes, des bah, tout ça, c'est pas ton métier, c'est pas tes spécialités, en tout cas c'est du matériel scientifique, tout est est vieux, rouillé, abandonné. Ok. Et tu vous avez vu? J'ai trouvé ça. Je suis dans l'embrasure de la porte et je vous montre une une hache en sans mettre en silex, en pierre. C'est là depuis longtemps. Waouh On dirait que c'est vieux, genre préhistoire quoi. On comprend ouais. qu'elle est complètement nulle en, en histoire. Ouais, ouais, le... <laughs> le, le, le soupir de ouais ouais. Ok. Ok. Ouais 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 bien sûr. Qu'est-ce que c'est ce bordel-là Je ne comprends quoi, pas comment un tel bâtiment a pu arriver ici. C'est. Bah, vous je voulais sûrement un film a qui de a de été sens. tourné. Regarde, euh, on dirait des vieux films des années 50, ça. Est-ce que ça m'a l'air d'être quelque chose comme un décor construit ou d'avoir une solidité avec des, tu sais, des, des câblages, des vraies consoles utiles ou. C'est pas du carton, Pat. C'est pas un décor pour toi. Hein. Et, ouais. et c'est une vraie technologie d'ailleurs. Tu, tu te rapproches. Il y, y a encore des batteries, mais des batteries qui te paraissent très anciennes. D'ailleurs, la marque sur les batteries, euh, c'est une vieille entreprise General Electric euh, américaine. Avec, il euh, y a une date d'ailleurs. Tu peux trouver euh, 1950 oh sur putain, cette batterie. Du, du plat de l'avant-bras, j'essaye de, de dépoussiérer, d'enlever la moisissure. Oh, J'avais jamais vu un modèle aussi vieux. Il paraît que c'était hyper solide ça. Et je commence à regarder, voir si, si quelque chose peut être en, en état de fonctionner. Tu... Alors, tu vas essayer de rebrancher peut-être la batterie. ou... Et oui, tu, tu vas ré réactiver, alors avec très très peu d'énergie, puisque les batteries euh, mm -hmm. euh, sont quasi à plat. Euh, tu pourrais même brancher plutôt ton téléphone portable. Ça aurait plus de puissance que la batterie pour redonner l'énergie. Suffisamment pour réactiver. Il euh, n'y a pas d'ordinateur, hein, euh, c'est quelque chose des années ouais. 50. Mais euh, réactiver euh, peut-être un espèce de frigo, en tout cas un, un caisson réfrigéré. Et puis, il euh, y a aussi une petite lumière. L'ampoule marche encore, une vieille ampoule à incandescence. Et aussi l'appareil la, audio, d'ailleurs, euh, qui, euh, qui se met en... Ouais. Vous entendez un... Hein, il se met en, en, en contact et il y a un petit voilà, comme s'il si, comme s'est activé, même si tu, tu n'as pas, pas déclenché l'amende ou enregistré, parce que tu peux enregistrer. Ça n'a pas été enregistreur et lecteur. Ok. Vous voyez que je suis un peu à genoux sur, sur la batterie en, en train d'essayer de, de manipuler, d'effectuer. Et, et je redresse la tête, mais je suis à, à hauteur du bureau. Ça... ça lance quelque chose là quand je fais ça Ça lance... Euh... Ouais, ça... Est-ce qu'elle voit quelque chose apparaître en fait, où tu es comme si quelque chose qui se rallume, quelque chose qui... Est-ce que ça fait une différence Est-ce qu'il y a quelque chose qui a l'air de fonctionner un peu... Ou de pouvoir fonctionner Au loin vous entendez le bruit d'une sirène. Et vous entendez aussi une détonation. Une détonation d'un fusil qui résonne. Lointain C'est finalement assez loin. Assez loin, ça résonne, ça résonne. Vous entendez un cri en fait pas très loin. Pas très loin, vous entendez un cri. Un homme, certainement un homme, hein, qui crie. Euh, peut-être à quelques, à quelques dizaines de mètres, mais dans la jungle, tout paraît proche ou loin. En tout cas, au moment où tu fais ça, c'est déclencher l'appareil audio. Et euh, Amber, tu, euh, tu vois qu'il y, y a une bande hein, qui, est, euh, qui est enclenchée. Tu pourrais la déclencher, la lecture. j'étais en train de je, je me concentre peut-être sur le cri quand même qu'on a entendu parce que il y, eu... y a eu un coup de fusil t'as dit et, euh, et un cri euh, donc j'ai l'appareil allumé euh, dans... à côté de moi ou dans la main et je dis euh, attendez c'était quoi ça ce cri et ce... ce coup de feu ce coup de fusil vous avez entendu ouais, ouais faut peut-être s'inquiéter non oui mais je, je sais pas d'où ça venait. En tous les cas, c'est peut-être dangereux de rester ici. Ta 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 on vient de trouver quelque chose qui fonctionne ou... Attends, on va... Je, je pose mon, mon téléphone qui est branché à côté de, de la batterie et, et je, je, je passe la tête par, par l'ouverture de la caravane. Tu passes la que J'entends quelque chose. Ouais, t'entends au loin quelqu'un qui court, certainement. Euh, qui Comme court. une foulée rapide. Ouais, euh, autant que faire se peut dans la jungle. Euh, ouais. Tu penses que si tu ailes ou si tu cries, la personne entendra. Et euh, je, je regarde vers. Euh... Vers l'intérieur de la caravane. Euh... Vous voyez que. Qu que tu vois? Rien mais, mais, mais j'entends quelqu'un courir. Ah, appelle-le, appelle-le, il peut peut-être nous aider ou appeler des secours, je sais pas. Non, 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 c'est une, une très mauvaise idée, mais imaginez, c'est celui qui a tiré le coup de fusil. On est là Non J'essaye de, 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 Tôt, de mettre tard. ma main sur la euh, ma bouche euh, euh, <laughs> Mais je le fais, j'essaye quand même pour éviter qu'il crie une nouvelle fois, des fois qu'il n'ait pas entendu la première fois, tu vois. Alors. J'ai pas entendu Simon hurler, j'ai entendu parler. Euh... Oui, c'est normal, c'était un peu mythique, mi-raisin, tu sais. Et... <laughs> on, on est là <laughs> Pas et... sûr, pas serein. Pas de réaction tout de suite. En tout cas, tu n'entends plus courir. Le enfin, c'est le silence. La joie n'est jamais silencieuse. Il oui. y a toujours des bruits d'animaux externes, mais il n'y a plus... plus de bruit particulier. C'est presque oppressant. Et de, de regarder des points précis euh, ou dès que je vois une feuille bouger ou un oiseau s'envoler euh, je, je pointe du regard peut-être non mais je je vois rien il y a quelque chose qui pourrait servir d'arme on pourrait prendre là dans le euh, dans la caravane oui un tournevis par exemple ben, très bien, j'attrape, j'attrape un tournevis et je, je le serre très fort entre mes, entre mes deux mains. T'y euh, est fait que personne ne vienne nous tuer. Je, je précise que l'âge que j'ai montré tout à l'heure, j'ai dû la poser sur la table au temps de bricoler. J'ai, oui mais bon vu que vu c'est une vieille hache, je sais même Dans Wendy, historique. Euh, euh, oui, elle est historique effectivement. En burn, se dira que peut-être que si elle essaie de l'utiliser, elle va se casser. Mmh, D'accord. Euh, D'ailleurs, Amber, quand tu euh, prends l'outil, tu vois qu'il y a une radio. Oui, c'est ces vieilles radios euh, avec un, une cornette. Je enfin. Vois ce... un... euh, bah, du coup, là, je vais, je vais prendre la radio pour le coup. Euh, et je vais, je vais tourner tous les boutons parce que j'imagine que je ne sais pas comment ça fonctionne. Ah, c'est tu... Ce n'est pas, ce pas un ordinateur euh, sur lequel ordinateur. je peux faire mes, mes vlogs. Donc, du coup, euh, je ne connais pas. Euh, et <laughs> j'essaye je, je, en fait. Euh, Très certainement en vain, euh, à défaut d'avoir un signal, de d'essayer de, de, de l'allumer de pour, euh, pour dire euh, euh, au secours, au secours, on, est, on, on, on a besoin d'aide, on s'est craché. Ok, bah tu. En, où on est, en euh, tournant la, la molette, hein, euh, mm. en tournant la molette, et tu vas. Tu vas tomber. On va de, je vais quand même demander à Wendy ce si que tu es en train de faire pendant je suis totalement en attente. Moi, j'ai entendu qu'il y avait un homme qui était, enfin qu'il y avait une personne, pardon, qui était en train de courir dans la jungle et j'attendais la suite de cette action-là quand euh, quand Amber a commencé à tourner les boutons et je suis un peu à passer euh, mon visage de l'un à l'autre en me disant bon, est-ce qu'il y a une des deux choses qui va aboutir Et en essayant toujours de garder le gamin le plus calme possible. Il est avec toi. T'entends plus rien à l'extérieur hein, et t'entends le crépitement de la radio crépitement jusqu'à ce que il n'y a plus que rapidement. et euh, vous entendez la voix d'un homme. Allô. Uh, hello. Suduravid Ravid. du 16 y... 16 32. 16 du Ravid. Pouvez-vous uh, répéter uh, uh, Allô. Vous m'entendez Vous, vous, vous m'entendez euh, Oui. Très très mal. Euh, très 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 mal. Qui êtes-vous Qui êtes-vous Qui êtes-vous je m'appelle Amber. On est, on, on est quatre. On est coincés. On, 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 notre avion s'est crashé. On est dans une espèce de caravane au milieu de la jungle sur une île. Euh, vous pouvez venir nous aider Ah, euh, bien sûr, bien sûr. Vous êtes, vous, vous êtes des, des survivants du, du crash. Oui, C'est ça. Nous sommes l'équipage. Je suis ravi. Nous, euh, nous, nous sommes venus vous aider. Euh, euh... On, on s'est retrouvé près d'une île. Il euh, y, y a une espèce de grande montagne euh, avec, euh, je sais pas, une lumière, quelque chose sur le flanc ou au bout. Vous, vous voyez de laquelle je parle Oui, oui, c'est là. Il faut que vous ayez là. Allez là-bas. Allez là-bas. On, on va vous sauver. Bah, on, on, on va jusqu'à la lumière. Oui, oui. Il faut aller là-bas. Euh, D'accord. Très bien. Merci. Je, je me vous êtes dans en les sécurité. Autres. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité mais jusqu'à là-bas et je vous serai sens... en sécurité Je me sens très soulagé quand il dit ça <laughs> Est-ce que c'était des, des voix qui avaient des, des accents des aussi. Alors c'est une euh, il, il a parlé dans un anglais Parfait Avec oh. un, an, un accent Un léger accent peut-être américain Et tu... Au moment où tu, tu fermes Enfin tu dis euh, merci tout ça Tu vois ma main qui prend ton bras et qui s'arrête. Et qui, qui, qui se rapproche de l'interphone. Vous êtes euh, des secours thaïlandais Elle arrive. Euh, non, nous sommes de l'équipage de Harkness, du capitaine Harkness. Est-ce que ça me dit quelque chose Alors pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Et je, je regarde les filles tour à tour. Euh... On est bien d'accord que ça devrait être des secours thaïlandais. Ils viennent nous secourir bah, aussi vite. Pas bah forcément. Peut-être que c'est un avion américain. Peut-être que c'est un bateau américain qui a, vu, euh, qui a vu le crash et qui, qui, qui est mis en tête de, de venir trouver les survivants. Il faut arrêter de voir le mal partout. En tout cas, c'est ouais. le premier contact qu'on a avec des êtres humains depuis qu'on s'est échoué. Je pense que euh, il faut l'utiliser. Je fronce un peu les, les sourcils. Je, je, je relâche ta main à un beurre. J'imagine, oui. Il y a quelque chose qui. Y a quelque chose qui me, qui me déplaît dans tout ça. Je pense que ça se, ça se lit sur mon visage. J'accepte et je comprends vos. J'aime aussi l'idée que, que ça amène, mais. Comme dans un mécanisme où tout il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a un bruit dans les, dans les engrenages. J'ai l'impression que ce n'est pas logique. Mais qu'est-ce que oh. tu imagines, Simon Non, non, mais. Les euh... gens qui nous attendraient, tapis dans l'ombre. Euh... Je sais pas. De quoi est-ce que tu as peur Mes lèvres se pincent et. Non, je ne sais pas, peur, je. Je ne sais pas, c'est peut-être moi, c'est bizarre. Tout est bizarre de toute façon, là, depuis. Non, doit... c'est moi. Bah, euh... Écoutez, dans tous les cas, on avait prévu à la base de se diriger vers cette lumière, et il nous a dit de le faire. Donc, euh, ouais, ça ouais, coïncide ouais. avec ce qu'on avait prévu de faire. Donc, on continue sur notre lancée. Mmh, tu as raison, Amber. Ouais. ouais vous, vous, vous devez avoir raison, mais pas convaincu. Euh, mais ok. Vous Est parlez que... dans la caravane quand tout à coup Wendy, tu peux pas t'empêcher de tourner la tête. Et de voir par la fenêtre un homme. Il te regarde. Il est blessé, épuisé. Je, je pousse un cri. Je sursaute et je pousse un cri. Et je et crie aussi. Il, et il crie aussi. Il crie aussi en même temps. Ah ah. Et et vous êtes avec eux. Vous êtes avec eux. Vous parlez notre langue. Oui oui. Qu 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 Dites-moi que vous n'êtes pas avec eux. Vous êtes avec eux Avec qui Avec eux. qui Mais vous êtes. Vous n'êtes pas avec eux. Qui, eux vous... Vous... vous. êtes tombé cette nuit. C'est vous qui êtes tombé cette oui, nuit. Oui, 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 C'est vous qui êtes tombé cette nuit. Oui. Oui. Notre avion. Mais on est où On est où Et... vous ne voulez pas de mal. Vous... Promettez que vous ne voulez pas de mal. Il est. Pu... Il est épuisé. Vous voyez. Mais non. non. L'homme a été torturé. On... Il a des différentes. Il a des cicatrices. On l'a tabassé. On lui a tabassé le visage. Mais, mais qu'est-ce qui t'est arrivé Tu empoignes l'âge que j'ai laissé sur la table. Tu empoignes l'âge il, 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 il se met à courir, il se barre. Au moment où t'as employé la il part en courant, il part en courant. J'essaie de le suivre pendant, pendant quelques mètres. Non, non, mais je nette l'âge et, et je tape un sprint. Euh... Et quand il s'approche de, non, de la jungle... Reviens. Reviens! Et je pense. Mon cri se, se perd dans l'écho de, de la jungle et s'étouffe très rapidement. Fais chier, putain! Tu. Tu vas le voir s'arrêter, exténué peut-être, il va s'arrêter, peut-être désespéré de courir. Et je lève les mains en l'air. Euh... Re reviens! On... on a besoin d'aide! Et. Toi aussi! Il va revenir. Désolé, mais. Ils m'ont couru après, puis. C'est Tam Tam. C'est eux. Wesh. Ouais, je... je. Et eux Et... Et puis. C'est eux. C'est eux. C'est les gens qui vivent ici. Il a l'air habillé comment Enfin, il est habillé comment Il est, que est je habillé. Euh, tu vois que ça doit être. Euh... Alors, ses vêtements sont déchirés, usés. Ça devait mm -hmm. être un marin, peut-être, ou. Euh... Mais. Mais un marin de, de gros bâtiments, tu vois, de bâtiments mmh. comme des portes-conteneurs, par balader, exemple. Ouais. ouais, voilà. Et et, et, et me poursuivent. Je, je me suis, je me suis évadé. Ils m'ont accroché au milieu d'un, au milieu. Ils m'ont accroché sur un piquet au milieu de leur village. Et puis ils m'ont lancé des pierres. Évadé. Je, je suis James. Oui. James. Et je le regarde et je tends la main, Simon, enchanté. Il, il va prendre ta main, s'accrocher à toi, tu vois qu'il est exténué. Et il va revenir vers le, la caravane, on va appeler la caravane. Et, et rentrer. Je suis, je suis désolé, mesdames, mais que vous me voyez dans, dans cet état-là, mais. Et, et, ils m'ont torturé pendant des jours. Pendant des jours. Ouais. Mais qui dit torturé mais De est quoi est-ce est que tu Ces gens-là, c'est. 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 C'est indigène là, ces gens là. Et puis il crache un peu de sang. Vous voyez qu'il a perdu des dents. Il faut, 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 faut s'enfuir d'ici. Il faut s'enfuir. Euh, on avait prévu d'aller euh, sur le flanc de la montagne, là où il y avait la lumière. C'est où c'est sur, sur le flanc de la montagne. Oui, on a, ouais. on a vu une lumière sur la de la plage. faut pas aller là-bas. Faut pas aller, hein. Surtout, faut pas Mais aller. Si y... faut pas aller. Il y a les secours là-bas. Faut ouais. pas aller. Faut, faut pas y aller. Ils, ils ont amené mon, mon pote. Ils l'ont amené. Et puis... Et puis, il j'avais revenu, mais j'ai entendu hurler. J'ai entendu hurler. J'ai entendu, entendu hurler. Mais, 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 hurler. mais les secours à la radio viennent de nous dire qu'il fallait qu'on rejoigne ce point pour être euh, évacué Non, faut, faut pas, faut pas. Vous commencez à être fatigué, la tension monte. Vous sentez quand même votre... Euh, votre santé... Euh, mentale qui... Euh, et vous voyez cet homme qui hurle, il, il a clairement été traumatisé. Il ne faut pas aller sur la montagne, il okay, ne okay, faut, faut, faut pas aller sur la montagne. Arrête de crier, arrête de crier. Il ne faut pas aller sur la montagne. Il s'approche de toi, Wendy, il s'approche, il t'empoigne comme ça. Il ne faut pas y aller, il ne faut pas y aller. Il te pousse, Wendy, il te pousse. L'homme te pousse. Il te pousse. Il me pousse fort, genre. Je ouais, perds il les te kilos. pousse fort, ouais. Tu perds pas l'équilibre, okay. tu es quand même costaud. Mais tu pousses de plus en plus. Ouais. Euh, Teste-moi ton désavantage. Je le cache cette fois. Ouais. Vous êtes chaud pour de C'est parfait. <laughs> euh... C'est parfait. <laughs> L'enfant rit. L'enfant rit avec ce rire de la jeune taille. Elle te nargue. Comme si elle te disait... Elle te le dit d'ailleurs. Elle te dit dans ta langue, vous entendrez pas un les deux autres, elle te dit, tu vois, à ton tour, à ton tour, à ton tour de souffrir, à ton tour, tu vas, tu vas payer, tu vas payer, alors que tu, euh, tu, tu l'entends, tu clignes des yeux, Wendy, tu clignes des yeux, car c'est pas possible, par euh, l'encadrement, par l'encadrement de... De la porte dans la jungle dans la jungle Wendy tu vois deux silhouettes tu les vois tu les reconnais c'était deux enfants elle te regarde elle te regarde toi elle te regarde toi l'homme la jeune taille et elle te juge elle te juge Wendy elle te juge c'est pas du tout ce que vous croyez. Arrêtez de me regarder comme ça. Arrêtez Elle n'arrête pas du tout. Tu vois leur regard plein de jugement. Leur regard plein de. Pas ah de haine, mais. De. Comme si elle te considérait comme moins que rien, comme si tu n'étais valable. Rien faire, incapable de les élever correctement, alors que la jeune taille rit. Elle rit, elle rit de te voir, l'enfant, enfin la jeune taille, lâche ta main et commence à te taper avec ses petits poings. Te tape. Je, je me relève précipitamment au point que j'ai un pied qui dérape et je retombe à moitié au sol, puis je me remets debout, je bouscule l'enfant, euh, enfin la jeune taille pour moi, je, je la bouscule en arrière et je, je fonce dans la jungle pour euh, courir derrière euh, mes deux filles. Lisa et Ashley, tu te mets à courir et, et on va revenir vers Amber et Simon qui viennent de voir cette scène, vous n'avez vu que Wendy hurler hein, comme ça L'enfant essaie de s'écarter et puis même l'homme, hein, James, faire un pas, faire un pas. Elle quitte, elle quitte en, en courant euh, le, la caravane. Et pour la deuxième fois en quelques minutes, je ressors de la caravane en, en courant. Wendy, Wendy revient. Et tu y cours après, car Wendy court, euh, court, court après des fantômes peut-être dans la jungle. Humber, tu es et seul Oui, vas-y Simon. J'allais dire, j'accuse le coup très vite, euh, une douleur sur le flanc. <laughs> et très vite, je me fais distancer par Wendy, je pense. Euh, le, le souffle un peu court et peut-être d'avoir trop forcé. Et mon bras prend le flanc qui a, qui a heurté le fauteuil de l'avion euh, un jour plus tôt. et <laughs> Avec un bruit rock et un sifflement à la respiration. D'accord. Um... Euh, J'ai toujours à la main, euh, mais pas totalement dissimulé, mais presque l'arme le, le, de fortune que j'avais. Euh, et et je, je lui dis euh, Et du coup, explique qu'est-ce qui s'est passé exactement, d'où tu viens, et, et c'est qui ces, ces autres là dont tu parles C'est les autres, c'est. C'est les autres, mais. elle est partie! Et, 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 je... et à ce moment-là. Là. Euh... La... Tu es seul en beurre. En beurre, tu. Il y a quelqu'un qui est assis juste à côté de l'appareil ra... audio. Pas la radio, mais. Tu vois. Euh... Tu vois effectivement quelqu'un qui est assis. Il te regarde. Il n'est pas là depuis il y a 5 secondes. Mais... Euh, non, il était pas là. Pourquoi d'ailleurs il est là Cet homme, c'est. Euh, tu le reconnais, c'est Blondie. Il te regarde Je fais un bond en arrière quand je le vois. Et. C'est pas possible Et tu vois que. Il appuie sur le bouton. De la radio. Et il y a de la musique, cette musique. De la boîte de nuit. C'est pas possible, t'es mort, c'est pas possible, t'es mort. Il s'approche. Tu vois, il est sûr de lui. Je suis tétanisé. Et. Tu veux que je te fasse la même chose qu'à ta copine C'est pas possible, t'es mort, je t'ai tué. Il te caresse doucement la joue avec ses doigts raffinés. Tu vas aimer serre, ça. Je sers un, un peu plus euh, le. Je, je, je m'en sors plus. Le tournevis, tournevis. Euh, dans, dans ma main, et, euh, et je me dis la prochaine fois qu'il me touche, je le plante. Il te prend par les cheveux, Amber. Ah Ah, et là, euh, réflexe en fait, je vais, je vais envoyer le tournevis dans son flanc. Tu envoies le tournevis dans son flanc, plaf Premier coup. Blaf, deuxième coup. Tu continues je Continue jusqu'à ce qu'il me lâche. Il te lâche. James tombe au sol. Tu viens de tuer. James. Il hurle encore quelques instants. Mais tu vois l'homme de ce pauvre homme qui fuyait ses persécuteurs mourir. Un tournevis enfoncé dans les flancs. La musique de bois de nuit disparaît pour être remplacé par 4 avril 1951 nous avons enfin atteint l'initiative de kepa après un voyage difficile depuis pulao Taliabou. La traversée a duré trois jours et nous avons failli faire demi-tour à cause d'un violent orage. Toutefois, notre persévérance a payé. Nous avons aperçu la terre ferme et nous avons accosté. Raymond Bolton, le professeur William Chainsworth, Richard Allerton et moi-même avons mis pied à terre avec une excitation palpable. Bavinkepa n'existe sur aucune carte et c'est grâce aux vieilles légendes des habitants du Pula ou que nous avons trouvé notre chemin ici. 5 avril 1951. Nous avons commencé à construire notre station de recherche dans la jungle. Rapidement, nous avons eu notre premier contact avec les natifs. Ils se sont montrés extrêmement hostiles et Raymond a dû utiliser son fusil de chasse pour nous protéger. Les tensions sont vives et nous devons rester vigilants. 12 avril 1951, nous avons cartographié une bonne partie de l'île grâce à l'aide précieuse de Raymond. Nous avons découvert qu'il y a trois tribus rivales sur l'île. Ces tribus se livrent des guerres brutales et enlèvent des membres des autres clans. J'ai assisté à un spectacle horrifiant aujourd'hui, un sacrifice humain. Une jeune femme a été torturée par la tribu de l'Est, au-dessus d'une fosse à feu. Le prêtre portait une cape en dépouille de sanglier et son visage était peint pour ressembler à un crâne. C'était effrayant. 19 février 1952. Après des mois de recherche, nous avons découvert les ruines tant attendues dans la montagne. Il s'agit d'une ancienne cité de pierre laissée par une civilisation mythique. Les ruines sont jonchées d'os et de reliques. Nous avons trouvé un escalier taillé dans la roche menant à un temple troglodyte. À l'intérieur, il y avait des milliers de crânes et une statue représentant un dieu avec une hure de sanglier. Cette vision m'a glacé de sang. Mais notre exploration a été interrompue tragiquement. Les indigènes ont capturé Ricard. Nous avons entendu ses cris alors qu'ils l'emportaient. Nous avons dû fuir pour notre vie. 25 février 1952. Les nuits sont devenues plus terrifiantes. Les natifs patrouillent autour de notre station et nous n'osons plus sortir. Le professeur Chainsworth et Raymond tentent de trouver une solution, mais nous sommes à bout de force et d'espoir. Ils sont de plus en plus nombreux et nous nous attendons à une attaque imminente. Nous sommes piégés et nous savons que notre temps est compté. Et donc là, la, l'audio s'arrête. Humbert, euh, tu es seul. Simon, tu, tu as pu revenir pour entendre finalement la fin de cet audio. Et quand tu es arrivé, tu vois que le corps de James est au sol. Humbert l'a définitivement tué, puisque il n'y a pas d'ambiguïté sur ça. C'est bien un son ce qui est là. Mais qu'est-ce que t'as... <laughs> il il, il, il m'a attaqué, j'ai fait que me défendre. Je, je te le jure. Il sur moi, il m'a grippé les cheveux et... et je l'ai frappé, je... Je, je sais pas je, je, je voulais pas, je voulais pas le tuer, je, je voulais juste me défendre. Et je fonds en larmes. Tu fonds en larmes. Wendy, quant à toi, tu t'es calmée. Tes filles ont disparu et sont perdues dans, dans la jungle, peut-être à tout jamais. Ok. Que fais-tu Je reste hébété quelques secondes quand je me rends compte que je viens de courir à travers la jungle seule. Et euh, je, je fais un demi-tour et j'avance tout droit pour essayer de retrouver la caravane. Tu vas la retrouver. Très facilement. Ok. Tu entends des pleurs dans la caravane. Et tu, je tu vois Simon sur l'embrasure de la porte qui, qui vacille un peu. Je le vois de dos arrêté devant l'entrée de la caravane. Le souffle court. Ça va pas, Simon Et je me retourne d'un coup et je manque de perdre l'équilibre et je, je m'adosse à la paroi. Je me retiens sur la paroi du, de la caravane adossée. Je te dis tu vois que je me tiens le flanc. James, que... il a agressé. Il a agressé Amber. Euh, elle est où Elle va bien à, ouais. Tu vas pleurer à l'intérieur. Ouais, tu vas m'entendre pleurer à l'intérieur. Je finis de te faire asseoir et je rentre, euh, je rentre assez euh, précipitamment. Amber, est-ce que, vas... est que ça va tu vas me trouver euh, assise sur le sur la chaise devant le devant la radio euh, les, les les mains les mains sur mon visage effectivement en train en train de pleurer et je, je je relève le visage vers toi et je je pointe James du doigt je fais je voulais pas le tuer il il, il, il m'a attaqué j'ai je, je me suis défendue. je suis désolée je savais pas quoi faire j'étais toute seule avec lui je te pose une main sur l'épaule T'as eu raison, tu. T'étais toute seule qu'il fallait bien que tu fasses quelque chose. J'ai peur, je veux rentrer chez moi. <laughs> Va prendre l'air, ça, ça te fera du bien. Avec Simon devant, reste pas à côté du cadavre. Je hoche la tête et. Euh, je, je, je vais sortir un peu en. en titubant, euh, même en trébuchant un peu, peut-être. Je, je, je me rattrape à, à Simon qui est. qui est au niveau de la porte. Pardon! J'arrive, j'arrive, je... on va partir d'ici. L'enfant vient de suite vers toi, Wendy. Ouais. Hein. Ok. Est-ce que la caravane a une porte Euh... Oui. Elle ferme à moitié, mais il y a une porte. Je vais fermer la porte de la caravane. D'accord. Donc Simon et Amber, vous êtes dehors, hein, c'est ça Si j'ai oui. bien ah. saisir. Hein. Ouais. Et, et tu tiens l'enfant dans, dans tes mains, c'est ça, Wendy Ou elle a la main, oui, ça. Ouais. Enfin, l'enfant est venu prendre oui. la main, en tout cas. Ok. Oui. Et la porte de la caravane va se... va se fermer. Vous entendez Simon humbert, vous entendez un bruit. Alors déjà, vous vous étonnez peut-être que la caravane se ferme, mais vous entendez un bruit et vous entendez euh, euh, vous entendez quelque chose Maintenant, d'un coup, pas très très loin, c'est un bruit de pas. Oui, c'est un bruit de pas. Mais il y a quelque chose de plus. Il y a quelque chose de plus. D'un coup, vous entendez. Les, les tam tam juste à côté. Et vous entendez des bruits. Ils sont nombreux à arriver. Des bruits de pas agiles, rapides. Il faut qu'on s'en aille. Il faut qu'on file loin d'ici. Il nous a dit que les tambours c'était c'était dangereux et il y, y a eu ce message à la radio qui disait que il y avait eu des gens dans les années 50. Enfin bref, je vous raconterai plus tard. Mais il, il faut partir, Wendy. Wendy, tu es à l'intérieur. La carlingue de la caravane isole un peu de l'extérieur. Que fais-tu Dans quel état est-ce que je suis Psychologiquement. Tu es euh, revenu dans cet état que tu as eu il y a quelques jours. Complètement froid, complètement euh, désincarné. Ok. J'entends je... peut-être ce qui se passe à l'extérieur, mais je décide de rester dans la caravane et je, je m'agenouille à hauteur de l'enfant. Je lui fais un sourire. Tu lui fais un sourire. À l'enfant. Euh, lui aussi. Je souris, mais ce n'est pas lui. C'est elle. C'est elle. Encore une tu fois. Plus... Tu n'as pas le droit de me suivre jusqu'ici. Je, Je t'ai laissé là-bas. Elle rit. Elle rit. Comme elle a ri quand tu as bu un verre avec elle. Ce premier verre et que tu lui as donné quelques dollars. Ne fais pas ça, ne commence pas à faire des manières, et... Tu sais comment ça termine, tu le sais bien. Je commence à parler quand même de plus en plus fort, et je commence à être assez agité. je me relève, je marche, je reviens, je reviens vers elle. Elle te regarde comme... Euh, comme quand... Euh, ta fille, ton aîné regarde en se moquant de toi en te prenant pour euh, pour moins que rien alors que tu as donné ta vie pour qu'elle puisse être dans les meilleures écoles des États-Unis et qu'elle te regarde comme si tu ne valais pas plus euh, que sa servante Wendy oui oui c'est ça Lisa te regarde comme elle te méprise en fait elle te méprise Je vais sortir la lame de ma ceinture et planter l'enfant. Tu... Tu, tu sacrifies l'enfant à ta pulsion. Et d'un coup, comme la première fois, tu te réveilles de cette transe. Tu te réveilles et tu entends à l'extérieur. <t> en> La dernière sirène et des cris. C'est les cris, peut-être. Euh... Enfin, c'est plus que peut-être. C'est Amber qui et Simon qui crient. On t'appelle, Wendy. Je... Wendy. Je sors de la caravane en courant, sans réfléchir, avec le couteau encore ensanglanté à la main. Ok, tu cours et tu te sens libéré. Au moment où tu passes la porte, tu sens. Que tu es libre à partir de maintenant. Euh... Tu sors. Vas-y. Si tu le permets, peut-être dans l'embrasure de la porte. Elle bouscule Simon qui. Mon téléphone Qui essaye d'ouvrir la porte. Et je la vois passer sans peut-être voir son arme, elle passe tellement vite. Et je, je me dirige sur mon téléphone qui était resté branché à la batterie. En restant concentré, je, je, je l'arrache les câbles que j'avais commencé à, à bidouiller et je m'en vais pour partir et peut-être que... Je pourrais voir quelque chose. Si vous le permettez. Euh, bah, tu vas voir, bien sûr, le, le cadavre de l'enfant sur celui de James. Deux cadavres. En quelques minutes. Tes deux compagnes viennent d'assassiner qui Un homme qui un enfant Les tam-tams se rapprochent. Oui, Simon, dis-moi. Peut-être que juste mes mains essayent de. Très rapidement, d'essayer de penser la blessure. Mais en quelques secondes, je comprends que. C'est fini. C'est fini. C'est les, les mains ensanglantées que. Que je ressors. Peut-être que je laisse une trace sur. Sur le pas de la porte, en m'appuyant pour, pour sortir une trace ensanglantée. Et je... Je cours la respiration sifflante en... En direction des filles. Tu cours, tu cours à l'extérieur. Wendy, Amber, vous marchez aussi, vous courez euh, Moi, Puis... je cours dans la direction opposée des tam-tams. Euh, alors, il résonne de partout, mais vous courez. Vous courez... Euh... Je cours en direction de la plage. Vers la plage, très bien. Ce que tu crois être la direction de la plage, puisque vous êtes vraiment perdu oui. dans la jungle, donc vous, vous, vous courez Je en fait, euh, fuyant qui les tam tam vers la plage, en fait vous, vous courez les uns à côté de l'autre, Simon ouais. tu les vois courir, et, et très vite les tam tam semblent vous entourer. Vous entourez, mais, mais vous, vous courez, vous marchez au bout d'un monde fatigué, marchant, comme si en fait les groupes autour de vous vous entouraient comme des, une, meute qui, euh, une meute de chiens. De chasse qui vous amenait vers euh, le chasseur ou les chasseurs. Vous marchez, vous marchez vers la plage, mais à un moment donné, devant vous, la montagne. Vous êtes rapproché de la montagne et de cette lueur. La plage, vous pouvez la voir maintenant en montant les tam-tams, et vous êtes en bas de cette montagne. La plage, vous pouvez la rejoindre. Oui, Wendy, il suffit de suivre hein, des ruisseaux, des nombreux ruisseaux qui émergent, et vous pouvez aller vers la, vers la plage sans problème. En haut, vous entendez encore une fois la sirène. La sirène vient en fait du haut, contrairement à ce que vous pouvez penser. En fait, c'était pas un écho, ça vient vraiment euh, du haut. Et tout le temps les tam tam autour de vous, jusqu'à ce que les tam tam s'arrêtent. Donc. je repense à ce que james disait j'hésite quelques, quelques instants et je décide de suivre un ruisseau pour regagner la plage. simon humber euh, attendez il faut, il faut que je vous parle de, de ce qui s'est passé euh, quand vous étiez pas là dans, dans la caravane j'ai je, en fait, je vais vous raconter, du coup, euh, les messages vocaux euh, que j'ai entendus. Euh, je détaille le plus possible. Euh, voilà, bon. En bon, vous disant qu'il y a eu, a priori, une expédition qui cherchait spécifiquement cette île dans les années 50. Ils l'ont trouvée. Euh, ça devait très certainement être leur camp de base, là où on était. Euh, et puis, a priori, il y avait il y a trois tribus sur l'île. En tout cas, il y en avait trois à l'époque qui se faisaient la guerre. Et euh, petit à petit, en fait, tous les, tous les gens euh, de l'expédition se sont finis par se faire tuer. Par, par par les par les gens de ces tribus et il y a une des tribus euh, il qui a, qui a un grand prêtre qui est habillé euh, en, avec avec une cape euh, en sanglier tout ce que j'ai compris en peau de sanglier et que il sacrifie à une espèce de divinité euh, dans les dans les grottes troglodytes euh, dans les montagnes et si et mon frappe pour une vie à la compris. mâchoire yeah de toutes ses forces. Et ben, bah, très bien. Euh... Mais il arrive. <laughs> Attends, excuse-moi. Je, je m'y attendais pas en plus, donc je le prends en plein visage. Je, oh. je, je, je suis de bonne constitution, mais je fais quand même 3 quatre pas en arrière, quoi. Clairement. Et tu me vois te, te menacer avec le, le fusil de détresse tremblant en bout de main Qu'est-ce que qu t'as que fait mais rien. Et je te montre lui, ma main ensanglantée. Est que... le je, je sais. Il est fou. J'ai rien fait. Simon, qu qu'est-ce qu que tu fais euh, Elle a et tué l'enfant tu... et, et j'arme le chien du fusil de détresse. Oh, très wow, bien. Alors, à ce moment-là, tu pointes... Oui. Tu te retrouves sur l'île. Tu te retrouves sur cette île. Et euh, devant toi, il y a Kerry. Kerry, qui s'avait demandé d'aller sur cette île avec elle. Et en fait, tu te rappelles que euh, tu lui as écrasé la tête contre ce rocher. Tu te rappelles prendre ses cheveux alors que vous veniez de faire l'amour et que sous l'emprise des psychotropes. Tu lui as écrasé la tête sur le rocher jusqu'à ce que son cerveau sorte. Mais Kiri, elle est devant toi. Kiri, c'est Wendy. Un fantôme revenu pour te hanter. Qu'est-ce que tu fais là Et Ma main qui tremble encore plus. Et je tire. Et tu tires. Et tu tires. Donc tu tires avec en fait le, le pistolet de détresse là. Hein. Oui. Donc le, la fusée s'en va. Et, et Wendy, tu, tu sens l'impact. Hein. Tu es projeté par la fusée. Et tu tombes. Tu t'allais suivre en, en ruisseau, hein, en descendant une, une cascade. Et tu viens en fait, tu viens t'écraser en bas de la cascade. Tu sens tes os se heurter contre le rocher. Ton hmm. souffle quitter ta poitrine et le courant t'emporter Wendy, on va te laisser dériver quelques instants et on va revenir à Amber okay. et Simon en haut de cette petite falaise de quelques mètres. Hein. Voilà ce qui vient de se passer. Simon vient de tirer sur Wendy. Et tu Alors, en moi, en le, 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 le fusil de détresse, l'épisode de détresse, je, je tire à vide plusieurs fois en direction du bas de la cascade. Ça s'arrête pas. Clic, en fait, clic. je pense que je ne l'entends même pas parce que, au premier coup de feu, euh, tu ne m'auras pas vu, mais j'aurais détalé en courant. Loin de ce fou, loin de ces fous, puisqu'a priori, une tue un enfant et l'autre euh, tue euh, la tueuse d'enfants. Euh, moi, je me barre, hein, je n'ai plus confiance en vous. Et, euh, et tu vas juste entendre mes, mes, mes pas, euh, ma cavalcade dans la forêt. Je ne sais pas dans quelle direction je cours, mais je cours tu cours. Simon, tu restes seul. Tu, tu reviens à toi. Hein. Tu ouais. te rends compte pleinement et pleinement de ce que tu viens de faire, hein, quand même, sans aucune ambiguïté. Euh, je lâche le fusil de détresse et je tombe à genoux. Oh. <laughs> oh, Janet <laughs> Ça va aller <laughs> Je regarde en bas. En bas de cette cascade. Tu vois du sang. Le corps de Wendy a été emporté par, la... par le ruisseau, par la rivière. Et tu sens une main sur ton épaule, Simon. Tu qui ah. rit, t'embrasse la nuque. Tu as bien fait. Tu as bien fait de tuer de la tuelle. Viens avec moi. Laisse-moi. <laughs> Et je recule en toi. me rapprochant du bord de cascade Elle, elle, elle s'approche de toi, elle s'approche de toi. Viens, viens. <t 'en> viens, Simon. Et peut-être que ma, ma main dérape sur le bord de... Non, en Attends, non, je t'ai tué, t'es morte. Elle s'approche de toi. Elle t'embrasse. Et tu vois son visage se décomposer. Son nez empli de verre qui grouille ses yeux, noir, la trace de son cerveau ouvert par la pierre avec laquelle tu l'as heurté plusieurs fois. Elle t'embrasse, son corps est putréfié. Que fais-tu Simon J'essaie de, de recracher les, <laughs> les asticots et... Un grand cri. Non <laughs> Et j'essaye de la jeter par-dessus la, la cascade. Tu, la, tu la jettes par-dessus la cascade. Elle tombe, elle s'écrase. Il ne reste plus rien d'elle. Je me penche pour regarder si elle est vraiment tombée. Elle est tombée, elle, est, elle a disparu comme Wendy. Regardant ma bouche sur ma langue, est-ce que... Qu il y a des... Il n'y a rien, y a rien. tout dur. ça n'est qu'un rêve. Tu entends Amber qui, qui crie, peut-être en partant, Amber qui, qui court. Et on va revenir à Wendy quelques instants. Wendy, tu vas glisser oui. dans la rivière. Tu vas glisser dans la rivière. Et puis à un moment, une main, une main t'accroche et un homme te sort de l'eau. L'homme est fort. Tu sens intuitivement. Que tu es face à l'illusion se déchire. Tu es dans le royaume de Colab. Le l'arconte des morts. L'homme te parle. J'ai trouvé une déesse pour régner avec moi. Il te relève. Tu es vivante, Wendy. Euh, un peu perdu, je, je regarde cet homme, je regarde la rivière, je, je regarde mon corps pour voir s'il si est entier. Il est entier, tu as des morceaux de, de vêtements qui sont déchirés, tu as beaucoup de plaies, mais tu es entière. Tu as la trace hein, de l'endroit où la fusée est venue te es heurter, alors ça t'a heurté, ça t'a pas transpercé. Mmh. Euh, tu es vivante. Même si tu vois autour de lui que la forêt grouille de cadavres, d'animaux, de charognards, la jungle plutôt que la forêt, et qui te tend la main et te tend la main pour que tu l'accompagnes en fait, s'il est prêt à, à te saisir la main, sa main est gigantesque. Il fait euh, il fait peut-être 2 mètres cinquante, trois mètres de hauteur. Il est le maître des lieux. J'ai l'image de Simon qui me passe dans la tête et un, un coup de colère qui remonte et j'attrape sa main en, en me disant que cet homme va m'aider en tout cas à calmer cette colère. Tu es calme et tu sens la nécessité de refaire le plus vite possible ce que tu as fait à la jeune taille. Cela va te démanger il va, il va te prendre la main et commencer à courir dans la forêt. Cette fois-ci, tu marches dans la forêt, tu cours. La jungle s'écarte autour de toi. La jungle s'écarte. Tu as fait ton choix. Tu as suivi le dieu marchand. Le dieu qui marche. Et Amber, tu cours. Tu cours. Tu vas arriver à un moment donné face à plusieurs personnes. Tu vas arriver euh, devant euh, un groupe armé de fusils et il y a un, un marin, certainement un capitaine, qui te fait signe de t'arrêter. Ils ont des fusils mais ils te visent pas forcément. Viens, viens, viens avec nous. On va te protéger. Il faut pas euh... que les indigènes te trouvent. Je ne ch cherche pas. je, je le suis. Parce que il a pas une tête d'indigène, donc potentiellement c'est pas une menace. Et il te parle, donc, en, anglais. Euh, il te parle en anglais. Il te parle en anglais. Mais tu vois que son Je équipement sais. est usé par le temps. C'est vous que j'ai eu à la radio tout à l'heure Ah oui, oui, c'est nous, c'est nous. Ne t'inquiète pas, petite. Vous êtes Il euh, y a d'autres personnes Euh. Oui, non, mais ils, ils sont devenus fous. Ils, on les laisse tomber. Ils sont devenus fous il faut les aider. Oui, alors. Euh... Très très bien ça, ils sont devenus fous, très très bien ça, très très bien ça, ils sont devenus fous, très très bien euh... ça. É écoutez, écoutez, je, je, je la grippe par la, par la manche. Je lui dis, écoutez, euh... Wendy, elle, elle, elle a tué un enfant et... et... <rire> ça <rire> ça très donné très bien, la sirène, la sirène encore. <laughs> très très bien, viens avec nous, viens avec nous. Commence à me dire qu'il y a un truc qui cloche. <laughs> je le lâche. Je fais un pas en arrière. Il y, a, il y a un des marins, il y a une demi-douzaine, met un fusil vers toi. Allez, tu nous suis, toi. Tu nous suis. Et tu vois deux marins qui vont, euh, qui descendent d'où tu viens, en fait. Ouais, bah, je, n'ai pas trop le choix. Je veux pas mourir, en tout cas pas pour l'instant. Donc, euh, je vais les suivre, en, en espérant pouvoir m'enfuir plus tard. Simon, tu es seul. Tu entends des tam tam maintenant proches proche de toi des tam tam nombreux et tu vas voir euh, Simon deux marins arriver, armés de fusils et qui te elle dès qu'ils arrivent dans la jungle et toi là viens avec nous vite vite et, et ils vont te tuer ces indigènes viens avec nous vite vite je réagis pas je, je regarde mon téléphone je regarde des photos sur mon téléphone tu regardes des photos et là alors que tu regardes les photos, tu vois des photos. Tu as pris en photo ce que tu as fait il y a quelques jours. Tu ne l'avais pas réalisé. La photo de Kiri, la photo de l'anglais, la photo des dix personnes qui sont venues avec toi sur cette île et que tu as assassinées un par un dans ton délire de drogue. Tu suis les marins? Vous je allez... me relève, euh, je jette le téléphone. Tu je jettes le téléphone. Par-dessus la cascade. Juste que je renvoie Janet. Ça va aller mieux avec Janet. Et je me rapproche des marins. Il t'escorte. Te, il Et tu vas rejoindre en groupe. Il y a Amber qui est là, Wendy. Pendant ce temps, tu cours dans la jungle. Tu te rends compte que tu montes. La montagne, au fur et à mesure de courir dans la jungle, plus tu montes, plus tu te sens libre, Wendy. Mmh. Et puis autour de toi, tu vois des cadavres, euh, cadavres d'animaux. Cet homme, hein, gigantesque, qui te, euh, qui te guide. Et puis tu vas arriver, tu vas arriver devant une cité, une cité antique. Mais toi, tu ne la vois pas exactement comme ça. Tu la vois telle qu'elle est. Tu la vois, la cité du maître, euh, du dieu des morts, de l'archonte des morts. Tu vas rentrer dans la cité et le temps passe différemment pour toi car tu vas arriver dans une grotte où des hommes et des femmes, tu reconnais certains des passagers de l'avion qui sont là Oui, ce sont des passagers de l'avion, sont attachés dans cette grotte. Et quand tu arrives, des marins s'inclinent devant toi et devant le Dieu qui marche à tes côtés. Ils s'inclinent devant et le Dieu va s'asseoir sur un trône fait de d'os, de têtes humaines. Il va demander, si tu le souhaites bien sûr, de t'asseoir ta... à sa droite, à égalité avec lui. C'est aussi un trône. Il sourit. Et on va repartir quelques instants chez Amber et Simon. Vous marchez. Vous marchez peut-être une heure ou deux avant d'arriver dans une cité, une cité abandonnée, une, cyclé, une cité cyclopéenne qui est abandonnée. Il y a d'autres passagers de l'avion qui sont dans cette cité et vous les voyez prisonniers d'ailleurs. Les marins vont vous attacher les mains avec des cordes. Et de temps en temps, vous entendez la sirène. À peu près maintenant, vous vous en rendez compte, à temps régulier. Cette sirène qui va réagir. Et, et vous voilà, amené vers une grotte. Vous êtes dans une file ininterrompue de passagers qui se regardent, qui vous, qui vous elle, tu, Simon, tu reconnais une des personnes qui est à, à côté de toi. Et Amber, tu vas voir un peu plus loin dans la file, Jennifer. Euh, J'essaye d'échapper à mes geôliers pour me précipiter vers elle. Euh, tu vas prendre un coup de, de crosse. Euh, ah. Tu vas rejoindre quand même Jennifer. Ouais. Puisque tu es euh. dans, dans la file. J j Jennifer, qu'est-ce qui s'est qu passé elle se retourne vers toi, elle a été euh, tabassée, maltraitée. Ils sont venus, ils m'ont récupérée dans l'eau. Elle, elle, elle tend la main vers, vers le capitaine qui est en train de s'équiper. Le capitaine est en train de mettre une toge, il est en train de mettre un masque de sanglier. Et puis, ils nous ont dit qu'ils on qu allaient nous aider. Et puis on est venu, ils nous ont entassés dans la soute du bateau. Et, et ils nous ont enfermés, ils nous ont amenés ici. Et puis... Ils nous ont amenés loin. Et... Et je ne sais pas ce qu'ils vont nous faire, mais on entend un peu plus loin. Et ils crient. Ils crient. Wendy, tu es assis sur ton trône, le déesse de la mort. Et tu as vu cette file ininterrompue de passagers de l'avion et tu as vu rentrer. Tu as vu rentrer Simon et Amber. Il y a une trentaine de personnes. Et tu sais où ils vont parce que devant toi, il y a un hôtel. Un hôtel où depuis ton arrivée a été sacrifié deux passagers. Mais ce n'est un sacrifice long et pénible. Très, très long et pénible. Je regarde, je regarde la foule, je vois rentrer Simon, je souris, mais surtout mon but c'est de, de parcourir la foule du regard et de trouver si euh, une femme pourrait ressembler à ma victime d'il y a quelques jours en arrière. Mais bien sûr. Bien sûr. Je la pointe du doigt, me retourne vers cet homme qui est venu me chercher et lui dit celle-là, elle est pour moi. Il, euh, il sourit et, et fait signe au marin qui s'écarte. Tu vois un homme avec une toge et une tête de sanglier qui s'approche. La taille est extraite. Elle hurle. Et elle hurle, son mari essaie de la retenir. et Elle est amenée par... Euh, par les, par les marins jusqu'à toi, à ce moment-là, Amber, Simon, vous voyez que Wendy est un peu plus loin à côté d'un homme gigantesque. Et que la taille est a amenée a, a amené, a arrachée de, de la file pour être amenée vers Wendy. Je, je la fais... Je... je demande à ce qu'elle soit assise à côté et je lui dis, tais-toi, je. M'occuperai de toi plus tard. Elle s'assied, elle ne sait pas trop quoi faire, alors que le dieu à tes côtés te regarde en souriant et puis il fait signe qu'un autre, un autre soit sacrifié. Le, le capitaine s'approche de toi, Simon. Tu es toujours un peu prostré, je comprends. J'ai l'air détaché. Je, je je gratte ma blessure, ce que j'ai sur les doigts, en rouvrant la, la plaie. Toi, et je vois Janet et, euh, et après bon, tout, on partira en lune de miel. Ça ira, elle me pardonnera, elle, elle va comprendre, elle me pardonnera. Elle... Il, te pousse, frotte, euh... il te pousse. jusqu'à un hôtel Wendy humber vous voyait euh, Simon amené à cet hôtel et euh, le prêtre. À tête de sanglier, t'accroche sur l'autel, tu murmures en Corse. Ouais, moi, je voulais, voulais peut-être faire quelque chose. Enfin, si je peux, euh, j'essaye de voir un, un moment donné où les, où les gardes sont peut-être plus concentrés sur euh, le sacrifice, par exemple, euh, pour essayer, en fait, de me barrer, de m'enfuir, de, de. quitte à aller me, me cacher euh, sous, sous une pile d'ossements pour pas qu'on me retrouve, enfin, vraiment. Euh... Ok. Euh, Fais-moi un test d'agir sous la pression. Et Simon, tu voulais dire quelque chose euh, Pendant qu'il m'accroche, je, je murmure toujours euh, ⁇ Jeannette, elle, elle me comprend, elle me pardonnera et, ⁇ et, et, et elle m'aimera toujours, elle a dit qu'elle m'aimera toujours. Et, et à ce moment-là, on entend la, une voix féminine me dire... Euh, et de toute façon, je te l'ai dit, tout ce que j'aime chez toi, c'est quand tu gardes toujours la tête sur les épaules. Et je m'arrête de marmonner et on, on me voit sourire en regardant l'entrée de la grotte. Elle est toujours là, Jeannette. Elle est toujours là. Alors que tu es perdu dans ton esprit, tu sens le prêtre écorcher ton orteil et tirer la peau pour remonter le long du mollet jusqu'à la cuisse. Tu ne peux t'empêcher de souffrir. Wendy, à ce moment-là, tu, tu ressens la même souffrance. La même souffrance que Simon. Et tu comprends au sourire du Dieu à tes côtés que ta peine sera de subir la souffrance de tous les sacrifiés. Amber, tu pars tu, tu vas arriver à te cacher tu vas voir que wendy souffre sur son trône tandis que simon est bien fait pour elle tandis que simon <laughs> euh, euh, souffre aussi et tu vas voir fait pour lui <laughs> une lueur rouge wendy tu vois que la porte illusion tombe wendy tu comprends alors que la folie emplit un peu ton esprit complètement même que l'illusion disparaît, que votre univers n'est qu'un pâle reflet de l'univers des archontes. Alors que Simon est le sacrifié qui ouvrira la porte, que le grand prêtre va en tirer cette puissance de passage entre les mondes, Humber, tu es seul, tu es seul, tu sens derrière toi un bruit, un bruit te retourne. Non, je bouge pas. Tu, je me retourne pas. Tu te retournes pas. Tu je ne je, je, je me retourne pas. Je reste totalement immobile en espérant, euh, en, en fermant les yeux en et en, disant, les yeux. Euh, très, en me disant très bêtement que si, si j'ai les yeux fermés que je le vois pas, il me voit pas. Et tu sens que quelqu'un te tire, qu'on te tire. Tu es sur des épaules. Lâchez-moi. On te parle dans une langue que tu connais pas. À un moment donné, tu ne peux Contre ouvrir les yeux quand même pour voir euh, oui, bien sûr. ce qui se passe. Non, ça et ça. tu es sur les épaules d'un d'indigènes, alors que la porte et l'illusion est complètement ouverte, Wendy. Et que Simon, tu passes de vie à trépas, mais un trépas qui sera éternel, Simon, car à tes côtés n'est pas Jeannette c'est Kerry qui va te suivre dans ta punition éternelle de sans cesse lui écraser la tête sur ce rocher. Alors que Wendy, la porte s'ouvre et que tu vas traverser la porte avec le dieu qui marche. Humber, les indigènes vont te ramener dans un village. Quelques jours plus tard, quelques indigènes vont te mettre sur un canoë. Tu vas traverser jusqu'à une île. Quand tu arrives à cette île, tu vois une, une villa, une maison, un bateau, la civilisation. Et c'est la fin de ce scénario. Explication. Donc, Wendy, en épilogue, hein euh, oui. tu vas devenir une des servantes d'un archonte qui s'appelle Golab, qui a plusieurs okay. avatars, et tu vas arriver à être une des maîtresses du royaume des morts, et, et tu vas dévoiler une voile, tu vas passer de l'autre côté, et te rendre compte que euh, tu es une divinité perdue. Tu es une divinité, tu as toujours été une divinité, et tu rejoins quelque part les tiens. Ton avenir est tout tracé, alors c'est un avenir de souffrance, un hein, Golab c'est un archon de la mort, de la souffrance. Euh, mm -hmm. Mais c'est à juste place dans l'univers. Et toi, okay. tu, tu connais l'histoire. Cette île est, une, est ce qu'on appelle une île des morts, un endroit à la limite des royaumes, où l'illusion se, se fragilise, où le temps et l'espace euh, sont différents. Et, et tu, tu vas pouvoir d'ailleurs en parler à Simon, parce que Simon, toi aussi, tu es projeté dans, dans, dans la réalité. La réalité, c'est la mort. Et euh, toi aussi, tu es une divinité perdue. Et toi aussi, tu vas devenir ce que certains peuvent appeler des démons. Il y a d'autres noms. On enfin, va passer les noms techniques, mais et tu vas reprendre ta place dans cet enfer qui est pour toi la réalité. Et toi aussi, tu sais que cette île, c'est l'île des morts. Est-ce qu'Amber ne verra pas parce qu'elle finira sa vie dans l'illusion euh... Et Simon et Wendy, vous savez que en fait. On sacrifie des personnes qui sont soit des personnes euh, qui, qui arrivent dans cette île, soit des personnes qu'on fait venir en mettant des feux sur la plage pour que les bateaux de plaisanciers viennent ici. Et les gens sont sacrifiés. Et le prêtre, le grand prêtre, qui est un, un capitaine qui s'est échoué il y a quelques années avec son bateau, mais qui a réussi, lui, à faire un pacte avec le Dieu qui marche. Euh, a prévu un plan pour ouvrir la porte définitivement. Et ce plan était simple. Euh, trouver une grande quantité de divinités perdues à sacrifier. Et pour ça, quoi de mieux que d'entraîner euh, le, le crash d'un avion Le crash est dû à, en fait, euh, là vous, vous le saurez peut-être pas, mais je, je vais vous le dire. Ils ont manipulé les ongles électromagnétiques avec ce qui était dans le centre de recherche que vous avez pu trouver, pour que les, les, les instruments de bord euh, défaillent. Et c'est les sirènes que vous avez entendues, donc l'avion s'est craché. Et le bateau okay. est venu chercher euh, de, quoi, de quoi se sustenter, car on est au milieu de, de l'océan Indien, il y a peu de bateaux et donc peu de quantité de voyageurs, euh, et ils avaient besoin d'une grande masse. Vous et c'est comme ça, que vous avez ouvert la porte définitivement. L'épilogue de de Humber c'est que tu vas rejoindre la civilisation, l'illusion que tu vas dénoncer cette île dans et que la, la, la police va aller à cette île, mais elle ne trouvera plus rien à part des indigènes, des indigènes de pauvres indigènes qui ne sont pas si pauvres que ça parce que eux aussi étaient manipulés et avant d'être supplantés par les marins euh, à la solde du capitaine que vous avez rencontré. Ils étaient eux-mêmes. Ils sacrifiaient les personnes qui sont arrivées. D'où aussi ils ont sacrifié les chercheurs, les chercheurs, les quatre chercheurs dont vous avez entendu l'histoire, qui ont amené ici, qui ont débarqué avec pas mal de matériel, car ils avaient entendu parler de cette île et ils ont fait des recherches pour comprendre ce que c'était cette île. Malheureusement, ils, les, ils ont été aussi sacrifiés dans le but. Euh... Pourquoi, pourquoi ils m'ont sauvé les indigènes au final Parce qu'ils étaient plus manipulés. Donc euh, du coup, ils avaient exactement. En fait, on les avait supplantés. Et c'est l'esprit du de, de Dieu qui marche, de Golab, qui faisait qu'il les sacrifiait en soi. Et c'était pas forcément. Ils, ils se battent entre eux, hein, c'est ce que vous avez entendu, mais ce c'est pas forcément des, 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 des personnes qui sacrifiaient. Et donc, euh, voilà, dans, dans, dans culte, souvent, la première histoire, c'est comment vous traversez l'illusion. Et vous vous rendez compte que euh, vous êtes des, des personnes qui vivaient caché de la réalité dans, dans le monde de ce que nous on appelle le monde réel mais qui est illusion pour, pour dans l'univers de kant Voilà pour l'histoire.